Zou. Allez, on marche sur place. Marchez, marchez. Ah. C'est bon, Françoise, t'entends la musique ou pas? Moyen? Moyen. Et là, c'est mieux? Ah, allez, on marche, on marche, on marche. Bien, on s'assure. Alors, on grande, on met sur les épaules. Et on monte sur les bras. On va bien se tirer au chef mouvement. Je crois qu'avec les masques, on va se mettre là-dessus.
Dernière série,
un petit peu, on récupère un petit peu. Voilà, on va pouvoir changer nos gambettes. Allez, on se place avec l'autre jambe. Donc on a l'autre petite gambette sur, le, sur la chaise. La mettez pas trop loin, essayez de mettre le genou un petit peu plus dans le vide. Vous devrez être à l'aise. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez attraper une autre chaise. Hein, d'accord ? Allez, c'est parti. Fléchis et on revient. Pensez au mouvement d'ascenseur. Quand je descends et je remonte, c'est pas en mode tiroir. Si vous faites mode tiroir, c'est le genou. Si vous avez mal au genou, c'est que la position, elle n'est pas assez vers l'arrière. Allez, on va rester en position assise et on maintient. Allez, essayez de bien enclencher le pied dans le sol, le mollet, l'arrière de la cuisse, tous les pieds. Ok, on fait la tension au maximum. On remonte et on repart. C'est parti. Et on revient. Allez, si vous faites bien, en remontant. Et en descendant. Ne claquez pas le genou en remontant. Faites active. Allez, on reste en bas, on maintient. Allez, maintenez bien. Attention à ne pas faire tout partir vers l'avant. On est bien assis dans la chaise. On redresse et on repart. C'est parti. Allez. Vous sentez les pieds ou pas? Allez, on reste en bas en place. Allez, on y est prêt. On tient le bon bout. On tient un peu plus le bras et la petite ceinture. On remonte, dernière série. Allez, c'est la dernière comme ça. Hop, en bas. Allez, on reste en bloc. On maintient, maintient. Et on relâche. On marche. Merci. Voilà, descendez. Du d'un coup, si vous avez besoin. Et on va s'installer sur notre super chaise. Alors, mettez bien votre pied gauche accroché au sol. Un petit peu en arrière du genou, hein, pas tout quand même. On va tendre la jambe droite, on va tirer la ceinture. Et je vais vous demander de vous donner de l'impulsion, de remonter sur la cuisse, vous poser et vous étendre. On change de jambe. On ferme, on pose et on descend. D'accord ? Alors encore, je gaine, je remonte, je pose et je descends. Ça fonctionne ? J'allonge ma jambe, je serre le péril et la ceinture et je redescends. Alors changez, réveille-moi. On pose et on redescend. Et ne pas prendre le virage avec les têtes. Et on contrôle la détente. Voilà, allez les filles, on tente. On gagne. Voilà, on met ses deux sur le côté du sol. Le pied, le volet de la cuisse, le périnée, la ceinture. Accroche ton périnée, chaise, pour ne pas partir à droite, à gauche. Hop. Allez, on ferme. On remonte et on contrôle la détente. Et on descend. Essayez de ne pas partir vers la
Thank you.
Help us, all of us. Make it up for them for like death, and I'm gonna leave them for this shit. Thank you.
Vous allez garder la jambe gauche vers le plafond.
bouge pas, c'est toujours la même amplitude. C'est pas parce qu'on lève le pied que forcément il y a tout qui change dans la position de la jambe. Gardez la même amplitude du début à la fin. Ok, tout à l'heure on est resté avec la jambe gauche vers le plafond. Là on va garder la jambe droite au plafond. Allez, garde la jambe droite au plafond, reste bien serrée. On place les mains derrière la tête, on monte le buste. On reste bien engagé et on va. On monte et on descend avec la jambe gauche, légère sur la chaise et on revient. On rappelle que si ce n'est pas possible, on peut poser la botte pour pied sur la chaise et vous faites juste la jambe au bout de son descendant. Allez, on garde les deux jambes en haut, les filles. On reste. Devant la chaise, on revient, on fait passer la jambe derrière.
juste devant la chaîne et juste derrière la chaîne. Voilà. On essaie de garder vraiment le axe de sa hanche sans pivoter et sans partir de l'arrière. On revient, on pose. Voilà, petite pose ici sur la chaise, faites une petite pause. Voilà, et on repart. C'est parti, on monte et on descend dans l'axe pour l'instant, dans l'axe, dans l'axe. Voilà. On ne peut pas monter très très haut, c'est normal. On monte à bien souffler. On inspire, on propose les pieds à chaque fois sur la chaise. Ok, on recommence le deuxième mouvement. On passe devant la chaise, on revient au centre, on passe derrière la chaise. On passe devant le haut et on passe devant la chaise. Derrière la chaise. En fait, on aurait dû prendre une mini chaise. On penche deux fois comme ça et après on pose. Et on revient. Bouge un petit peu par-dessus là. Ouh, on ricote. On détend, on peut tâter, on peut tâter. Un petit massage, un petit massage.
Bon, bah écoute. Bah, c'est pas possible, ça. Vous avez posé. C'est bon, vous êtes là, les filles. On est là. Un petit problème de connexion Internet. Vive Internet. Donc, du coup, on change de côté. On change de jambe. On met la petite tête de l'autre côté. Et on repart. Allez, on monte et on descend. On monte.
This is Albatross. Mets-toi sur le dos avec les petits mollets sur la chaise et récupère. Voilà, détends-toi. Hop. On a perdu Jeanne, je ne sais pas si elle a pu se reconnecter ou pas. Allez, on pose les mollets sur la chaise. Voilà, on détend bien ses petits mollets, on détend bien son bas du dos. On pense à bien respirer et on inspire, on expire en rentrant le ventre, en gonflant le ventre. En même temps qu'on respire, on détend bien nos petits mollets sur la chaise. On allonge nos bras au-dessus de la tête. On essaie de bien étirer tout son corps et de bien baisser les épaules. Voilà, on essaie de se détendre au niveau des épaules.
Soit on appuie sur la cheville, soit on attrape la cuisse derrière, on essaie de pousser les petits os, les hanches dans le sol. Ok, on relâche. On va revenir doucement sur le côté. Rapproche un petit peu la chaise. Place les bras sur la chaise et pousse les fesses contre les talons pour descendre un petit peu au niveau du dos. Sabrina. Merci à toi.